je bénis ton nom pour cet événement. C'est une fête, c'est une célébration. Et nous sommes dans la joie parce que tu es présent, tu es fidèle. Merci de bénir cette parole. Et permets que, Père, nous sortons de ce lieu encore restauré, avec un zèle, un amour, une espérance pour toi. Dans le nom de Jésus, amen. Dis à ton ami, j'attendais ce jour-là. Qui réellement attendait le jour de la Pâque? Alléluia. Amen, amen. Si tu ne sais pas, toi tu penses que c'est parce que tu as eu un jour de congé lundi, quoi. Alléluia. C'est pas ça. Hein? Amen, amen. C'est pas ça. C'est ta délivrance. Alléluia. Ta Pâque, c'est ta délivrance. Ta Pâque, c'est l'accomplissement du projet que Dieu a pour toi. Alléluia. L'anglais dit accouchement veut dire délivrance. Alléluia. Donc, c'est l'accouchement de ce que Dieu a fécondé en toi. Alléluia. Ça veut dire que tu n'es pas une personne ordinaire. Que Dieu a ses yeux sur toi. Et il s'arrange à ce que ce qu'il a dit s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Donc, c'est un jour que nous tous nous attendons. Alléluia. Quand vous voyez une femme qui porte un enfant, un fœtus, elle attend jusqu'à 9 mois. Et c'est long. À partir du moment où ça commence à peser, ça devient long. Elle attend le dernier jour. Elle compte les jours. Alléluia. Il en est de même quand le Seigneur a un plan pour son peuple. Alléluia. Combien de fois ils étaient en Égypte, ils attendaient le jour où Dieu allait lever ses yeux vers eux. Alléluia. Combien de fois ils étaient en train de crier dans cette souffrance? Ils portaient cet exil, ils portaient cette délivrance, ce salut. Mais qui Dieu allait choisir? Alléluia. Comment le Seigneur allait le faire? Alléluia. Amen, amen. Il arrivait des moments où Satan voulait faire rater cela. Il y a des moments où Satan veut emmener des fausses couches. Il veut faire avorter le plan de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais si Dieu a sa main sur quelque chose, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. La Bible dit que le roi Hérode, il a dit, le Messie là, il doit venir cette année. Tous les premiers-nés, tuez-les. Les petits garçons, tuez-les. Alléluia. Une femme accouche, la main de Dieu est sur cette femme-là. Avant même qu'on regarde si c'est un garçon, elle a déjà accouché. Alléluia. Dis à ton ami, on est en train de parler de ma destinée. On est en train de parler de ma destinée. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Jean 21. Jean 21. À partir du verset 15. Jean 21, à partir du verset 15. Je lis la parole. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » À partir du verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » À partir du verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il avait, de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et lui répondit, « Seigneur, toutes choses, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Tu as raison d'attendre ce jour-là. Alléluia. Parce que la Bible dit que le Seigneur nous a demandé de nous souvenir de génération en génération de la sortie d'Israël, alléluia, en Égypte, et de célébrer cela en son honneur. Donc si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons honorer notre Dieu, alléluia, parce qu'il nous a donné Jésus-Christ de Nazareth pour que nous soyons rachetés, alléluia, pour que nous soyons sauvés, amen. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, alléluia. La Bible dit que il y a un roi du nom de Josias dans le livre de 2 Rois 23. Josias était le petit-fils du roi Ézéchias, un roi qui était fidèle à Dieu.
La Bible parle de la fidélité d'Ézéchias. Alléluia. Parce que Ézéchias honorait Dieu. Ézéchias prenait soin des choses de Dieu. Alléluia. Il faisait les choses de Dieu tellement bien. Alléluia. Que le Seigneur a regardé la fidélité d'Ézéchias. Et Josias étant le petit-fils d'Ézéchias, Josias a eu aussi a été élevé de cette façon-là, dans la fidélité. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque il y a eu la Pâque, parce que qu'est-ce qui se passait au temps de Josias? Au temps de Josias, les gens ont laissé, les chrétiens ont laissé l'alliance qu'ils avaient avec Dieu et ils sont allés rentrer dans des compromis. Alléluia. Parce que les choses étaient difficiles. Amen. Ils sont retournés dans les anciennes choses. Il y en a qui sont allés encore voir des marabouts. Il y a des prophètes qui ont abandonné. Il y a des serviteurs qui ont abandonné. L'église était mélangée. Alléluia. Quand Josias a vu ça, il a attendu la Pâque. Dis à ton ami, il a attendu la Pâque. Il a attendu le jour de la Pâque. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un jour où il y a résurrection. C'est un jour où la gloire de Dieu se manifeste. Alors Josias attend le jour de la Pâque pour préparer, pour restaurer le sacerdoce. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a offert à Dieu une Pâque comme jamais ça a été en Israël. Alléluia. Ta Pâque de 2016 ne doit pas ressembler à celle de 2017. Parce que le Dieu que nous prions, il va de perfection en perfection. Je n'ai jamais vu un chrétien qui va à l'église, il rentre en petite section, dans 10 ans on vient en petite section. C'est qu'il y a un problème dans ta vie. Alléluia. Josias dit, je ne veux pas faire comme les autres. Mon grand-père m'a appris comment servir Dieu dans la fidélité. Donc, je vais mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Je vais mettre de l'ordre dans le pays. Tout le pays va célébrer la Pâque. Alléluia. Parce que c'est notre histoire. Dis à ton ami, c'est ton histoire. Si tu pouvais t'asseoir pour voir qu'est-ce que Jésus a payé comme prix pour qu'aujourd'hui, toi, impudique comme tu étais, prostituée comme tu étais, droguée comme tu étais, tu viens t'asseoir dans l'église pour adorer Dieu, pour honorer Dieu. Un docteur ne peut pas faire ça. Un psychiatre ne peut pas. Même tes parents, même toi-même, ta propre décision ne peut pas faire cela. Si ce n'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Donc, comme Jésus a pris son temps pour faire ça pour nous, il nous demande simplement de l'honorer. Alléluia. Celui qui se détourne de Dieu, son regard est porté ailleurs. Dès que nous laissons la place, il y a un faux Dieu qui vient rentrer en nous. Alléluia. Dès que nous laissons une petite occasion, une petite opportunité à l'ennemi, il vient s'asseoir là. Et tu commences à adorer ce que tu ne dois pas adorer. Alléluia. Il peut faire asseoir les feux de l'amour. Tu dis, non, je dois prier mes feux de l'amour, ça, je ne peux pas laisser ça. Ça commence petit à petit. Et ça prend toute la place. Et ta vie de prière commence à diminuer. Ta communion avec le Seigneur commence à diminuer. Alléluia. Souvent même, tu dis, non, mais c'est un peu biblique aussi. Hein. Tu commences à avoir des arguments. Alléluia. Non, c'est un peu biblique. De voice là, c'est un peu biblique. Quand même, il y a des choses là-dedans. Tu t'assois jusqu'à 2h, 3h du matin. Mais on dit, demain, c'est la Pâque. Alléluia. Donc, Josias a dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui va toucher le cœur de notre Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? Il va briser les hauts lieux. Il va briser tout ce qui poussait le peuple de Dieu à retourner dans le monde. Vous savez, l'ennemi, c'est vrai que le Seigneur nous a rachetés, mais les réclamations, il peut encore réclamer des choses dans nos vies quand on n'est pas prudent. Quand on ouvre les portes, il est capable encore de réclamer nos vies. Alléluia. Donc, Josias s'est arrangé à ce que les gens marchent dans la justice avec Dieu. Il leur a demandé de servir Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme. Alléluia. Et cela a commencé un jour de Pâque. Dis à ton ami, ça va commencer pour moi ce matin. Alléluia. La Bible dit que la Pâque se mange. Et elle se mange avec hâte. Ça veut dire que nous nous asseyons à la table du Seigneur. Alléluia. Frère, quand quelqu'un t'invite chez toi, chez lui, et que tu vas manger avec lui, il y a des choses que vous allez partager. Imagine, tu vas t'asseoir avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le jour de la Pâque. Il n'y a pas un lieu, un événement
où on se souvient de Dieu, où on invoque Dieu, et puis il n'est pas présent. Alléluia. Là où nous sommes, le Seigneur est présent. Même si ton pasteur n'est pas là, c'est la Pâque. Alléluia. Lui aussi fait sa Pâque là-bas. Dans toutes les nations, chacun fait sa Pâque. Alléluia. Donc, Dieu dit, Jésus a partagé le repas de la Pâque avec ses disciples. Il leur a dit, si vous ne mangez pas de ce pain, ni de ce vin, vous ne pouvez pas avoir la vie. Alléluia. Ils étaient choqués. Amen. Mais quand il y a un projet que Dieu a dans ta vie et qui te fait porter cette grossesse pendant des mois, si tu ne nourris pas cela, tu peux faire avorter la grossesse. Alléluia. Donc, si le Seigneur n'est pas pleinement dans ta vie, tu peux faire avorter ce pourquoi Dieu t'a appelé. Amen, amen, amen. La Bible dit que voici un disciple qui s'appelle Pierre. Le Seigneur avait beaucoup de projets pour Pierre, Simon Pierre, alléluia. Il a dit à Simon Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il a dit au même Simon Pierre, je te donne les clés du royaume, alléluia. Il a vu l'amour que Pierre avait pour l'œuvre. Il a vu le zèle que Pierre avait pour l'œuvre, alléluia. Mais ce n'est pas pour autant que l'ennemi n'allait pas chercher à faire avorter. C'est pourquoi Dieu a appelé Pierre, alléluia. C'est pourquoi Jésus l'a formé, alléluia. La Pâque nous aide à rentrer, à restaurer notre alliance avec le Seigneur. La Bible dit que la Pâque est le premier jour pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre nouvelle année. Alléluia. Et qui parle de nouveau, parle de nouvelles choses. Qui parle de nouveau, parle de nouvelles décisions. Qui parle de nouveau, parle de grâce. Alléluia. Amen, amen. Dieu aime les nouvelles choses. Dieu aime les prémices. Alléluia. Et quand le Seigneur parle du premier jour, ce n'est pas en vain. Amen, amen, amen. Donc la Bible dit que Pierre, sur qui Dieu a porté son regard, Pierre qui portait la grossesse d'être un pêcheur d'hommes, Pierre qui portait la grossesse d'être un apôtre qui allait bâtir, ce même Pierre-là, il a eu des moments où l'ennemi s'est levé. Alléluia. Et Pierre a failli faire avorter ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Pierre a failli faire avorter ce que Dieu voulait faire avec lui. Alléluia. C'est vrai que nous avons passé des mois pendant l'année. C'est vrai que nous venons à l'église, mais il ne faudrait pas que ça devienne une routine. Alléluia. Il ne faudrait pas que ça devienne un lieu de rencontre. Alléluia. Il ne faudrait pas que ça devienne un lieu de distraction, un lieu de commerce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de manger le pain et de boire son vin. Tous ceux qui mangent le pain et qui boivent le vin, ils se souviennent du sacrifice qui s'est passé sur la croix. Alléluia. Et il y a une résurrection, une restauration qui se fait automatiquement. Donc, tu dois pouvoir être connecté aux événements. Tu dois pouvoir être connecté à la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne prenons pas la Pâque comme le monde le voit. Amen. Mais nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Et dans cette maison-là, le Seigneur nous parle le jour de la Pâque. Alléluia. Comme il a parlé à Pierre, comme il a parlé à Josias, comme il a parlé à cette femme qui n'était même pas conviée, qui faisait même pas partie du plan du salut de Dieu. Alléluia. La Bible dit que sa vie était pourrie. Sa vie sentait. Sa vie n'était même pas agréable. Alléluia. Mais quand elle a entendu que Jésus entrait dans la maison de Simon, alléluia, elle a couru. Ça veut dire qu'il y a longtemps, elle attendait ce jour. Amen, amen, amen. Parce qu'elle savait que sa vie allait être nettoyée. Elle savait que sa vie allait être changée. Frère, on ne vient pas dans la maison de Dieu sans avoir un objectif. On ne vient pas dans la maison de Dieu sans pouvoir rencontrer Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit à Jésus, Jésus est entré dans une ville, ils sont partis voir les disciples, ils disent, on veut voir Jésus. Ils disent, ce n'est plus le temps de me voir. Vous m'avez vu, j'ai prié pour vous, j'ai tout fait, ce n'est plus le temps de me voir. Parce que pendant qu'eux, ils étaient en train de voir Jésus, Jésus était en travail de la grossesse qu'il avait, d'arracher la gloire à Satan. Alléluia. Donc, il n'avait plus le temps pour ces chrétiens qui viennent dans l'église simplement pour voir. Alléluia. On veut voir Jésus. Dis à ton ami, on est fatigué de voir. Alléluia. On est fatigué de voir.
On cherche maintenant la délivrance de notre destinée. Alléluia. On cherche la délivrance de notre destinée. Jésus était oppressé. Jésus était oppressé. Il savait qu'il partait sur la croix. Alléluia. Mais il dit, l'heure n'est plus. On n'a plus le temps de se voir. Tous les jours, vous me voyez, vos vies ne changent pas. Alléluia. Tous les jours, vous me voyez, je prie pour vous, rien ne change. Rien ne se transforme. Mais aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Si le grain qu'on a planté ne meurt pas, il ne peut pas produire du fruit. Donc, il faut que je passe sur la croix pour que vous deveniez mes disciples. Alléluia. Il ne s'agit pas simplement d'être comme les païens et de courir derrière Jésus pour des miracles, de courir derrière des hommes pour des miracles. Alléluia. Mais il y a une grossesse que Dieu met en toi. Il dit, faites de mes disciples, faites des nations mes disciples. Alléluia. Donc, Dieu veut que tu sois un de ses disciples. Dieu veut que tu puisses porter aussi la grossesse du royaume des cieux. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu veut montrer que toi aussi, il peut t'utiliser. Dieu veut montrer que la puissance de la résurrection peut aussi se manifester dans ta vie. Parce que quand il te regarde, il voit un projet en toi. Quand il te regarde, il voit une destinée en toi. Quand il te regarde, il voit une victoire en toi. Alléluia. C'est pas que Pierre n'avait pas de défauts. Il avait des défauts. C'est pas que Pierre n'a pas régné Jésus. Il a régné Jésus. Alléluia. Mais malgré cela, le Seigneur voulait à tout prix que ce qu'il a proclamé sur la vie de Pierre s'accomplisse. Parce que c'est pas un homme qui ment. Alléluia. Il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il peut avoir des turbulences. Il peut avoir des tempêtes. Mais Dieu demeure le même. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes, ce n'est pas parce qu'il y a des turbulences que ce qui a été dit sur ta vie est gommé. Ce n'est pas gommé. Alléluia. Peut-être même qu'il faut que quelqu'un meure pour que toi tu avances. Alléluia. Vendredi, j'ai dit à mes fidèles, on préparait la Pâque, j'ai dit Dieu tue. Ah, Dieu a tué les premiers-nés, non? Donc, Dieu tue, mais dans le camp adversaire. Il faut que quelqu'un meure là-bas pour que toi tu te maries. Il faut que quelqu'un meure là-bas pour que toi tu prennes possession de la France. Donc, il y a un temps où Dieu tue. Pour que toi tu aies ta Pâque, pour que tu sois délivré. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, Pierre, il était tellement zélé, il était tellement coléreux, il fallait qu'il passe par là pour recevoir sa délivrance. Vous savez, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer dans le Seigneur. Et on n'arrive pas à croire que c'est notre caractère. On n'arrive pas à croire que c'est des esprits qui nous fatiguent. Alléluia. Mais on va mettre ça sur le pasteur, on va mettre ça sur l'autre. Mais si tu ne meurs pas là, tu ne peux pas produire du fruit. Alléluia. Si on ne peut pas te parler dans l'église, qu'est-ce que tu peux produire? Tu ne peux rien produire. Si ton responsable ne peut pas te parler, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il ne peut pas avoir 2 mètres dans un bateau. Alléluia. Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur. Souvent, le Seigneur se manifeste en nous comme étant le maître. À la Pâque, il a montré aux disciples que c'est moi qui suis le maître. Alléluia. C'est vrai que vous avez des petits dons, ça parle en langue, ça voit les gens en songe, mais c'est moi et je suis le maître. Alléluia. Là où je vais sur la croix, là, vous ne pouvez pas aller là-bas. Et je le fais pour vous. Alléluia. Amen, amen. Donc, il est important, peuple de Dieu, que nous célébrons la Pâque. La délivrance du chrétien, ça ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas parce qu'on a prié pour toi, tu es tombé une fois, c'est terminé. Alléluia. Tu peux arriver à une certaine étape de ta vie chrétienne où tu vas être bloqué parce qu'il n'y a pas eu de délivrance. Alléluia. Tu peux arriver à une étape de ta vie chrétienne où on se rend compte que certains esprits t'animent. Que certains liens parlent encore dans ta vie et t'empêchent d'avancer. Mais c'est mieux pour toi que tu sois libéré de ça. Pour que tu puisses avancer. Alléluia. On ne doit pas avoir honte de ces choses-là. Alléluia. Je suis parti une fois à une veillée. Il y avait une maman qui était là. Et on disait qu'on doit l'opérer. Donc le prophète, il priait cataracte. J'étais arrivé en retard, j'étais assise là. Et pendant qu'il priait, le Seigneur me parlait de la maman. Et ils m'ont donné le micro vers la fin. J'ai dit, je vais prendre juste 15 minutes. J'ai appelé la maman, j'ai dit, viens. J'ai demandé au prophète, je peux prier pour elle? Il dit, oui. J'ai dit, c'est vrai, on a prié pour toi. Je suis d'accord. Mais
qu'est-ce que les gens disent de toi dans ta famille? Elle me regarde. J'ai dit, mais dis-moi, parce que moi, ce n'est pas dans ma bouche, tu vas boire ton eau. Les gens disent quoi de toi? Elle dit, on dit, je suis sorcier. J'ai dit, hein, les gens disent que tu es sorcier. Mais je ne suis pas sorcier. J'ai dit, moi, je ne t'ai pas dit ça. Moi, je t'ai demandé. Selon ce que le Saint-Esprit me dit de te demander, je te demande. D'où sortent les cataractes? Pourquoi tu es comme ça? Mais si vous la voyez, les malmenés. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on prie là, vous pensez que ça n'agit pas, ça agit. Si tu vois un sorcier t'espionner, il faut jeter cataracte dans ses yeux. Il faut lancer tout ce que tu peux lancer. Alléluia. Quand tu vas le regarder le lendemain, si c'est mari de nuit, il faut casser ses testicules. Le matin, il vient te demander. Donc vous aussi, vous écrasez ça. Ah, donc c'est de toi il s'agit. Alléluia. Donc je lui demandais, il dit non. On dit, mais je ne suis pas. Il a dit, bon, ça là, souvent, tu n'as pas ta conscience. Souvent, les gens prennent ton visage, ils t'utilisent rien que pour détruire ta vie. Donc, on va prier pour toi. Maintenant que tu as dit ça, maintenant, Dieu va commencer à faire la chose. Alléluia. Elle dit, d'accord. Donc, j'ai dit, ce n'est pas moi qui ai dit, hein. C'est elle-même qui a dit. Elle dit, sa famille. Et pendant que j'étais assise là, j'entendais les accusations sur elle. On l'accusait beaucoup, on l'accusait. Il y a des gens dans sa famille qui ont fait des jeûnes. Ils ont prié contre tous elle. Et là où j'étais assis, le Seigneur me dit, même elle a mangé des fœtus. Ils lui ont fait manger des fœtus. Donc quand j'ai prié pour elle, les trucs ont commencé à sortir. Si tu n'as pas ta délivrance, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas servir Dieu parce que le peuple de Dieu est sorti d'Israël. Pourquoi? Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de faire sortir mon peuple pour m'honorer, pour me servir. Alléluia. Donc tous les jours, tu as ta Pâque parce que tu sers Dieu, parce qu'il t'a délivré. Alléluia. Donc la maman, je lui ai dit, bon, moi, je ne suis pas ici, mais il faut venir t'asseoir à l'église. Je sais que c'est parce qu'on doit l'opérer qu'elle a fui pour venir. Elle dit, ici là, c'est bloqué. Je dis, ouais, je vois ce qui est là-dedans. Quand je dis, chair humaine, allez, ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort. Il a dit, il faut t'asseoir dans l'église. Alléluia. Il n'y a rien dans ces choses-là. Amen. Il n'y a rien là-dedans. Les gens te combattent, toute ta famille t'a abandonné à cause de ça. Mais il faut chercher ta délivrance. Mais tu ne viens pas et puis tu fatigues le prophète, il entend prier pour tes yeux, alors que tu sais pourquoi tes yeux sont comme ça. Tu connais l'origine de la chose. Alléluia. Mais Dieu est là pour délivrer, pas pour que nous puissions servir Satan, mais pour servir Dieu. Jésus est dans sa maison, alléluia. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, il est venu pour ce genre de personnes. Donc quand tu viens là, il faut être sincère. Ouvre ton cœur. Le roi de gloire veut faire son entrée. Si tu n'ouvres pas ton cœur, ceux qui ont le cœur ouvert, Dieu va les toucher, Dieu va les bénir. Mais toi, tu vas partir avec ce cœur fermé là, alléluia. Tu dis, tant que Dieu n'a pas dit au serviteur de Dieu, Dieu peut ne pas dire au serviteur de Dieu, comme il peut le dire. Il peut aussi permettre que toi-même, tu te confesses. Que tu dises, ah, vraiment, j'ai tel problème, ça ne va pas. À partir du moment où tu commences à dévoiler ce problème, Dieu ressuscite la situation qui est morte. Et tu commences à avancer. Alléluia. Donc la Bible dit que, voilà Pierre, quand Jésus est mort, ressuscité, Pierre qui était à la tête, leader des disciples, il dit, va aller pêcher le poisson. Celui qui a eu à faire lever le paralytique. Pierre qui a chassé les démons. Pierre qui était toujours avec Jésus. Il a marché sur l'eau. Il a fallu que Jésus parte pour qu'il dise, je retourne à mon ancien travail. Dis à ton ami, quitte dans ça. Parce qu'il y a des moments où le diable commence à te poser la question. Mais ce que tu es en train de faire là-même, tu gagnes quoi dedans? Pourquoi tu perds ton temps même? On dit l'église s'ouvre à 9h, toi tu es là à 7h. Tu veux aller où même? Quel diplôme tu veux avoir? Et quand le diable met ça dans tes pensées, tu dis, s'il n'a pas raison même. Parce que depuis, je ne vois rien se passer. Alléluia. Et il commence à mélanger ta tête. Amen. Pierre, regardez, il dit, mais Jésus, on a tout laissé pour te servir là. On a gagné quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Jésus dit, il n'y a pas quelqu'un, un serviteur,
qui s'est levé pour me servir et qui n'a rien eu. Alléluia. Dieu est fidèle quand tu es fidèle. Amen. Ça a encouragé un peu Pierre. Il s'est rassis. Alléluia. Mais quand Jésus est parti, il dit, frère, allons pêcher les poissons là. Retournons, fais un peu de sous. Parce que le maître n'est plus là. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton ami, Dieu ne permettra pas que tu retournes. Alléluia. L'argent t'appelle. C'est-à-dire toi-même, même le jour de la Pâque, là, tu prends le remplacement de tes amis pour aller travailler. Non, comme le pasteur dit d'envoyer les dîmes, c'est de ta personne qu'on en a besoin d'abord. Tu ne peux pas avoir toutes les dîmes de la France pour ramener dans l'église. C'est de toi Dieu a besoin. Alléluia. Donc, les décrets de travailler dimanche, là, ce n'est pas de toi il s'agit. De travailler pendant qu'il y a la veillée, ce n'est pas de toi il s'agit. Faut que tu sois délivré de maman. Alléluia. Parce que quand tu vas aller travailler, non seulement tu ne ramèneras pas la dîme, mais ce que tu vas travailler avec là. La Bible dit, vous travaillez pour rien gagner. Tu sors de là, tu vas aller t'endetter. Amen. Donc, il est important que tu t'asseyes et que tu ne regardes pas en arrière, que tu ne retournes pas en arrière. Pierre dit, je vais pêcher les poissons. Jésus était là, il le regardait. C'était la troisième fois où Jésus devait se révéler à Pierre. Il les regardait. Ils sont sur l'eau. Ils font. Il n'y a même pas un poisson. Il n'y a rien. Dis à ton ami, il n'y a rien. Il n'y a rien dehors. Il n'y a rien hors de l'église. Il n'y a rien hors du royaume des cieux. Alléluia. Souvent, on pense que Dieu ne nous voit pas. Il nous voit. Il connaît notre cœur. Il connaît nos pensées. Il connaît même nos ambitions. Tu ne peux pas imposer tes ambitions aux ambitions de Dieu, au plan de Dieu. Alléluia. Tes ambitions, ça c'est ce que toi tu veux. C'est ce que tu penses être. Alléluia. C'est l'effort que tu fais. Dans l'ambition, il y a de l'effort. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu, il a déjà tout accompli sur la croix. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'effort. Tu n'as pas besoin de travailler, de prendre beaucoup d'efforts, ta force pour t'enrichir. Si Dieu veut te rendre prospère, il va te rendre prospère. Ça là, ça rend prospère, l'évangile. Tu prêches l'évangile à une personne, le ciel est dans la joie. Les portes s'ouvrent pour toi. Alléluia. Tu mets Dieu en priorité, ta vie change. Toi-même, tu brilles, tu ne sais pas pourquoi tu brilles. Parce que pendant que tu entends parler de Dieu, l'onction coule sur toi. L'huile coule sur toi. Il n'y a pas meilleure chose que l'onction. Ça fait pousser les cheveux. Ça donne un beau teint. Tu brilles. Ça te rend riche, prospère. Ça te donne la paix dans le corps. Aucune maladie ne tient devant l'onction de Dieu. Alléluia. Ça te donne le sourire. Amen, amen, amen. Donc, tu n'as pas d'effort à faire. Parce que l'onction est avec toi. Pierre est parti pêcher. Puisque ce n'était pas dans la voie de Dieu. Sans l'onction de Dieu. Ils sont partis. Rien. Tout était mort. Frère, si tu es là avec une situation de mort aujourd'hui, je veux te dire que le Seigneur ici, il est présent. Alléluia. Et il est capable de transformer cette situation de mort que toi-même tu as créée en vie, en résurrection. Souvent on dit, ah, Dieu même n'a qu'à venir m'enlever là-dedans. Quand tu as commencé, c'est lui, il était là. Ah, si Dieu ne veut pas, c'est que lui-même il n'a qu'à faire partie, le gars là. Il ne va pas partir. Parce que quand tu étais en accord, Dieu n'était pas là. Peut-être même il va bien te boxer d'abord. Le Seigneur va attendre qu'il te boxe bien. Maintenant il peut te dire, ah. Alléluia. Quand il t'a boxé, tu dis, si cette affaire est comme ça, je vais enlever mon pied là-dedans. Ce n'est pas Dieu qui m'a mis là-dedans. Alléluia. Pierre a fait l'échec. Et quand le Seigneur a paru, il dit, Pierre, toi encore ici? Il dit, c'est-à-dire que, tu sais, Seigneur, je t'aime. Mais je veux simplement un peu pécher. On a toujours des arguments. Seigneur, je sais que je dois me lever pour intercéder. Je sais que je dois aller à la prière. Mais cette affaire de feu de l'amour, là, attends d'abord. Parce qu'il y a des enseignements là-dedans.
Quand je regarde la vie de ces gens-là, il y a des enseignements. Quel enseignement on peut te donner dans ça là? Un film qui a commencé depuis 1900, toi, ça finit jamais. Tu t'es pas posé la question de savoir que c'est une distraction? Jusqu'à tes enfants, tu as couché avec tes enfants, ils ont grandi dans le feu de l'amour. Alléluia. Pose-toi la question de savoir qu'il y a une distraction quelque part. Pierre là, il pêche. Le Seigneur dit, Pierre, si tu m'aimes là, je t'ai dit, je veux faire de toi un pêcheur d'homme. Pourquoi c'est les poissons, les vrais poissons tu vas pêcher? Alléluia. Il dit, Seigneur, c'est-à-dire, je t'aime. Si tu m'aimes, mais paie mes brebis, ne paie pas les poissons. Alléluia. Paie mes brebis. Mais Pierre était découragé parce que le maître était parti. Le zèle que Pierre avait, ce n'était plus le même zèle. À la place du zèle, il y avait la tiédeur. À la place du zèle, il y avait le découragement. À la place du zèle, il y avait des raisonnements. Alléluia. Il y avait des calculs. Quand tu vois un chrétien qui est en train de calculer, ça ne va pas. Parce que c'est la foi. On ne calcule pas. Quand nous sommes avec le Seigneur. Donc, le Seigneur lui a demandé trois fois. Il a dit, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, si tu, réellement ton amour est parfait, je te demande trois fois, alors va paître mes brebis. Frère, ce n'est pas le commencement qui compte pour le Seigneur. C'est la fin. Le même Pierre, Jésus lui dit encore, suis-moi. Comment on peut dire un bishop, suis-moi? Tu es devenu bishop. Oh. Beaucoup sont bishop maintenant. Tu es devenu bishop. Achi. Et le même Jésus là vient te dire encore, suis-moi. C'est qu'il y a un problème quelque part. Tous les démons que tu as chassés là, tu as oublié ça? Ils vont t'attendre dans la pirogue. Alléluia. Avec le Seigneur, tu mets pas un pied et puis tu retires. Hein? Si tu retires, Satan dit, hey, c'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais. Comme il a retiré son pied, j'arrive maintenant. Il va voir le Seigneur, il dit, tu as vu ton enfant là, il était zélé. Maintenant, où il est là? Moi, je vais le tenir là-bas. Alléluia. Il a dit à Pierre, je vais te montrer que c'est moi qui suis puissant. Je vais te montrer que je suis le maître. Pierre, tu n'as pas besoin de pêcher. Jésus fait une pêche miraculeuse pour Pierre, pour lui faire comprendre que la puissance de la résurrection avec Pierre. Ce n'est pas Jésus qui a fait la pêche. Il dit à Pierre, le même filet que tu as depuis 4 heures du matin, lance-le et tu vas voir ce qui va se passer. C'est pour dire que pendant que tu es en train d'annoncer l'évangile, Pierre, ton congélateur est rempli de poissons. Tu n'as pas besoin de venir pêcher dans l'eau. Alléluia. Souvent, on s'inquiète pour peu de choses. Il suffit qu'on voit une lettre de la banque ou bien un SMS de la banque, notre visage est défait. Alléluia. Ils n'ont qu'à envoyer les lettres. Ils n'ont qu'à envoyer tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Pierre a dit quoi? Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Regarde-nous dans les yeux. Est-ce que tu sais que ton simple regard peut remplir ton frigidaire? Ton simple regard peut mettre un sac de riz dans ta cuisine. Alléluia. Souvent, on limite ce Dieu-là. Mais la puissance de la résurrection, elle est en nous. De la tête jusqu'aux pieds, elle est en nous. De ce que tu dis, Dieu peut transformer ça en miracle. De ce que tu penses, Dieu est capable de transformer ça en gloire. Alléluia. Mais on cogite. On a même peur de regarder là où il y a la mort. Mais si tu ne regardes pas là où il y a la mort, comment la vie peut arriver? Il a dit à Ézéchiel, regarde, prophétise là-dessus. Il y a eu résurrection. Alléluia. Donc, Dieu peut utiliser tout en nous pour manifester la puissance de sa résurrection. On dit, ah, c'est la Pâque. Tout le monde n'est pas venu. Frère, est-ce que tu sais ce qui va se passer après la Pâque? Alléluia. Dieu a certainement besoin de toi-même pour qu'il y ait résurrection, pour qu'il y ait restauration. Alléluia. Ce que tu vas entendre à la Pâque, là, ça va renouveler l'alliance qu'il y a en toi et Dieu. C'est comme ça que Josias a renouvelé son alliance avec l'Éternel. La Bible dit, il a fait entrer le peuple
dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu aime qu'on l'honore. Alléluia. Dieu aime qu'on lui plaise. La Bible dit, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Quand tu es venu ici ce matin, tu es venu à la Pâque, est-ce que tu es venu avec une petite foi quand même que quelque chose se passe dans ta vie? Est-ce que tu es venu pour en te disant que si je viens là, je vais faire quelque chose qui va plaire à Dieu à cette Pâque-là? Alléluia. La Pâque n'est pas un jour ordinaire. On dit qu'elle a cassé un parfum d'albâtre. Jésus a dit quoi? Elle m'a embaumé. Il parlait de la Pâque. Elle m'a embaumé. Comment une prostituée peut avoir cette inspiration si ce n'était pas le jour de sa délivrance? Alléluia. Il y a des délivrances, on fait, on ne voit rien. Mais quand c'est ton jour, quand Dieu a besoin de toi, même ce qui est caché dans les profondeurs, il est capable de révéler cela. J'ai dit à la maman, tu viens pour qu'on prie pour toi, mais qu'est-ce qu'on dit de toi? Arrête de blaguer l'homme de Dieu. On dit quoi de toi? On dit, alléluia. Donc, j'ai dit, va voir, va parler à lui, moi je m'en vais. Tu as dit pourquoi on a lancé ça dans tes yeux? Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alléluia. Il y en a quand ils te voient, ils viennent te... Je t'ai vu, hein, fais attention à toi. Je t'ai vu deux fois, fais attention à toi. Parce que moi, je lance des bombes. Moi, je coupe. Il va changer d'adresse. Alléluia. Ta délivrance a commencé comme ça. Parce que quand tu te dévoiles, il ne peut plus. Il ne peut plus, même dans tes murs, il ne peut pas passer. Alléluia. Voilà, donc la Bible dit que le Seigneur a libéré Pierre. Il a fait des miracles. Et il dit à Pierre, suis-moi. Donc vous voyez que Pierre recommence à nouveau. Pourtant, il a marché 3 ans et demi avec Jésus. Il s'est même fait appeler archibishop. Mais le voilà qui recommence à nouveau. Frère, c'est le jour de la Pâque. Si c'est un nouveau commencement pour toi, ce n'est pas un problème. Alléluia. Avec le Seigneur, là, on peut toujours repartir à zéro. Là où il y a la mort, il ramène à la vie. Et c'est lui-même qui peut permettre la mort. S'il n'avait pas fait ça, Pierre allait continuer dans son orgueil, dans sa colère. Pour dire, c'est moi, c'est sur moi qu'on veut bâtir l'église. Si je ne suis pas là, il y en a qui croient que s'ils ne sont pas là, il n'y a pas église. Si toi tu es parti là, il y a 5 personnes qui vont courir pour ta place. Souvent même, il faut que tu partes pour que l'atmosphère de l'église se libère. Et qu'on soit bien pour danser et pour chanter. Parce que c'est toi qui mets le désordre, c'est toi qui tues les gens. Alléluia. Donc, Pierre, parmi les 12 disciples, le Seigneur a fait pour qu'il soit, il sache que sans lui là, Dieu continue de faire. Il dit, Pierre, suis-moi encore, suis-moi encore. Pierre dit, mais Seigneur, tu m'as déjà appelé. Je t'ai appelé, mais là, je te vois avec des poissons. Je ne te vois pas en train de prêcher l'évangile. Tu ne peux pas être découragé. Oui, quand on dit aux gens, on leur annonce l'évangile, ils viennent et puis après ils s'en vont. Mais ça, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as déjà fait ta part. Tu ramènes la personne au pasteur. C'est lui qui est le brebis, qui est le pasteur qui s'occupe des brebis. Alléluia. Mais tu ne ramènes pas la personne et puis tu appelles la personne ma fille spirituelle. Toi-même, tu as engendré qui et puis tu as fille spirituelle. Alléluia. Ça, là, il y en a trop dans l'église. Tu cherches à contrôler la personne. Alléluia. Il ne faut pas t'approcher du pasteur. Mais il faut t'asseoir là-bas. Alléluia. Mais la Bible dit, les premiers, les derniers peuvent être les premiers. Ça dépend de comment toi tu vois ta chose. Cette femme qui a versé le parfum là, qui connaissait son problème? Alléluia. Elle ne savait pas où elle allait dormir. Elle, tous les gens venaient chez elle. Elle était fatiguée. Peut-être qu'elle était malade. Mais toi, tu viens. Donc, ça dépend du problème de tout un chacun. Alléluia. En ce jour de la Pâque, le Seigneur veut te dire encore que tu ne dois pas baisser les bras. Si ta vie de prière est morte, ta communion avec le Seigneur est morte, ta méditation est morte, l'éclat que tu avais, quand tu étais venu au début, on avait fait ta demande, tu brillais. Tu étais choco. Maintenant, on voit un peu, tu es café.
Ce n'est pas un problème. L'onction peut changer ça encore. Alléluia. Avant, tu gênais tous les jours. Maintenant, tu dis après le culte, on n'a qu'à manger. Faites attention à manger après le culte là. Hein. Soyez délivrés de ça au nom de Jésus. Alléluia. Parce que dans ça là aussi, il y a des gens qui font des choses. Hein. Faites beaucoup attention. Quand il y a un ministère de délivrance, faites beaucoup attention. Alléluia. Donc, le Seigneur veut restaurer. Il veut remettre à zéro. Alléluia. Dieu peut ressusciter. Tu as eu des coups, des blessures. On t'a accusé dans l'église. Il fallait qu'on t'accuse pour que tu te rendes compte de l'importance de ce que Dieu veut faire avec toi. On n'accuse pas n'importe qui. On accuse ceux qui vont être élevés. Alléluia. On persécute ceux qui vont être élevés. Si quelqu'un te dit, oh, celle-là est venue encore, je ne l'aime pas. Moi, il ne faut pas m'aimer, sois béni. Ça veut dire que c'est un signe que ça va très bien chez moi. Mais moi, je t'aime. Alléluia. Donc, le Seigneur veut que, en ce jour de Pâques, là, que tu te relèves. Il veut que tu expérimentes la puissance de Dieu. Arrête de voir Jésus. Toujours, pasteur, je veux te voir, pasteur, je veux te voir. C'est bon. Jésus lui-même, il a besoin de toi. Alléluia. Il veut que tu meurs, pour que tu ressuscites et que tu portes du fruit dans l'église. Alléluia. Il y a des gens qui sont dehors. Voilà, leurs chaises sont là. Leurs noms sont déjà écrits sur les chaises. Avant même qu'ils n'arrivent ici, leurs noms sont écrits sur les chaises. Dieu te dit depuis un mois, parle à ta voisine, parle à ta soeur, parle à ta nièce. Mais dimanche, tu viens seul, tu t'assois là. Ah si, je parle, ils vont me persécuter. Oh. Mais il faut qu'on te persécute. Pour que tu portes du fruit, pour qu'ils viennent voir qu'est-ce qui se passe dans ton église. Quelle est ta responsabilité, ta valeur dans l'église? Ceux qui te négligeaient, ils vont voir ce que Dieu fait avec toi. Alléluia. Donc nous sommes un jour très important qui est la Pâque. Alléluia. Et la Pâque, c'est notre délivrance. Même Bishop, tu peux recevoir ta délivrance. Alléluia. Vous avez vu ma voix. Je suis allé prêcher dans une église. Et puis, pendant que je prêchais, le micro est envoûté. Il y a une buée qui est sortie du micro qui sentait un truc bizarre. J'ai dit à l'homme de Dieu, mais j'ai tout à fait la délivrance. J'ai dit, mais ton micro a envoûté. Et j'ai senti quelque chose dans ma gorge. J'ai bu l'huile d'olive, il a changé le micro. Et c'est... On a commencé un jeûne lundi, pendant 7 jours pour la préparation de la Pâque. Et c'est là que le Seigneur va nettoyer ma gorge. Il va me rappeler ce que j'ai aspiré dans le micro. J'ai prié, ça s'est arrêté, mais il a enlevé pendant les 7 jours. Je dis, Seigneur, c'est la Pâque. Je dois aller de l'avant. Donc, ce qui est mort, pourquoi c'est ma gorge qui touche? Parce que c'est quelqu'un qui a dit au nom de Jésus, c'est gâté. Le jour-là, j'étais en train de faire les délivrances. Alléluia. Donc, j'ai besoin de ma gorge pour continuer le travail de Dieu. Il a ressuscité. Alléluia. Donc, ce que l'ennemi a gâté là, Dieu est capable de ressusciter cela. S'il sait que tu soutenais l'église, il a attaqué tes finances. Ce n'est pas un problème. Jésus, les anges sont en train de passer dans les sacs là. Il a attaqué ton travail, ce n'est pas un problème. Après cette Pâque-là, quelque chose va se passer. Il a attaqué ton foyer, après cette Pâque, quelque chose va se passer. Il a attaqué ta passesse, ton ministère, quelque chose va se passer. Si tu crois, lève-toi, on va prier.